Vous vendez ou vous louez votre bien immobilier? Le cabinet Alt Expertise réalise sous 24 heures vos diagnostics immobiliers fiables et illustrés, remis le jour même. Alt Expertise vous assure une transaction sans mauvaise surprise. Nous sommes le jeudi 28 mai, bonjour, bienvenue sur TV4.fr. À Perpignan, dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mai, dans le quartier Saint-Jacques, une jeune femme aurait été violée en pleine rue alors qu'elle passait dans le secteur après minuit. L'agresseur, qui a profité de la faiblesse et de l'isolement de sa victime, a pu prendre la fuite. La jeune femme a pu fournir aux enquêteurs le profil précis du violeur qui est activement recherché. Une enquête a été ouverte et les investigations se poursuivent dans l'attente des résultats des expertises scientifiques dans l'espoir de trouver l'ADN de l'agresseur. Le déconfinement devrait s'accélérer après le grand week-end qui se profile avec le lundi de Pentecôte. Le Premier ministre Édouard Philippe et son gouvernement vont présenter l'acte 2 du déconfinement ce jeudi 28 mai à 17h avec des assouplissements attendus à partir de ce mardi 2 juin. La situation encourageante sur le front de l'épidémie de coronavirus en France permet d'envisager une ouverture des restaurants, cafés, parcs et jardins. Une annonce plus qu'attendue dans les Pyrénées-Orientales comme dans le reste de la France. Les mesures ont été tranchées ce matin en conseil de défense, verdict à 17h. Vous pourrez très bientôt redécouvrir plusieurs milliers d'animaux s'épanouissant sur plus de 340 hectares et vous attendrir devant les bébés animaux qui sont nés pendant ces deux derniers mois. En effet, un arrêté préfectoral dérogatoire en date du 25 mai autorise la réserve africaine de Sigean à rouvrir ses portes au public le mardi 2 juin à partir de 9h. Attention cependant, des mesures ont été prises pour limiter les rassemblements et fluidifier la circulation afin de pouvoir accueillir l'ensemble des visiteurs dans les meilleures conditions sanitaires possibles, dont notamment la limitation du nombre d'entrées. Enfin, un autre arrêté pour une autre réouverture dans les PO cette fois-ci. C'est le prieuré de Marcevol qui pourra à nouveau accueillir le public. La préfecture a donné son feu vert le 26 mai à la réouverture qui tiendra compte des mesures d'hygiène en vigueur afin de prévenir la propagation de l'épidémie du Covid-19. Direction donc la commune d'Arboussol en Conflans pour un bol d'air catalan. C'est la fin de cette édition, vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. À demain pour un nouveau Flash, belle journée à vous.